Comme toutes les semaines, ou presque, c'est reparti pour un nouveau Phonapps avec, comme d'habitude, mes 4 applis préférées du moment. Allez, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Vous aimez la musique et les concerts? Eh bien, ça tombe bien, car je vous propose de découvrir une nouvelle application grâce à laquelle vous allez pouvoir transformer votre salon ou votre chambre, ou même vos toilettes, peu importe où vous vous trouvez, en véritable salle de concert. Cette appli gratuite pour Android et iOS se nomme 3.6 Live et sa particularité, c'est de fonctionner avec le Google Cardboard, vous savez, le fameux masque de réalité virtuelle de Google. Glissez dedans votre smartphone et découvrez comme si vous y étiez des artistes ayant accepté de se faire filmer à 360 degrés durant leur prestation, produit à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. En l'occurrence, il s'agit pour le moment de Salut C'est Cool, The Animan, Danakil, Phoenix, Cognitif, Nuski, Evative, Fishback, Try Dollar Again, mais à terme, 3.6 Live entend s'imposer comme la référence de la captation musicale et donc s'associer à d'autres salles de concert en France et en Europe. À suivre donc avec ou sans cardboard, car vous aurez remarqué que Live 3.6 peut aussi se consommer tout simplement en plein écran, comme n'importe quelle vidéo à 360 degrés. Vous avez l'impression que votre connexion à Internet est bridée ou bien que l'on vous a interdit l'accès à certains sites web? Pour en avoir le cœur net, lancez donc la batterie de tests mise au point par les développeurs du réseau d'anonymisation Tor. Uniprobe, leur application gratuite pour Android et iOS, sera en mesure de déterminer si le réseau Wi-Fi ou 4G que vous empruntez fait l'objet d'une surveillance particulière et si ses performances sont volontairement dégradées. Dans l'affirmative, relancez néanmoins un peu plus tard les mêmes tests afin de vérifier qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un problème technique ponctuel, à moins que, effectivement, vous ne soyez surveillé, allez savoir. Envisager la rencontre comme une compétition, quelle drôle d'idée! Et pourtant, c'est bien celle qui a germé dans la tête de deux athlètes français. En l'occurrence, le spécialiste du 800 mètres Pierre-Amboise Boss et le champion de France du 1500 mètres en salle, Brian Cantero. Et avec des serveurs, une application gratuite pour Android et iOS, ce sont les femmes qui jouent le rôle d'arbitre puisque c'est à elles de choisir d'abord trois profils susceptibles de leur plaire. Charge ensuite seulement aux heureux finalistes de se démarquer de leurs adversaires en faisant preuve d'originalité dans leur message et que le meilleur séducteur gagne, sachant qu'en cas de défaite, il vous reste toujours Tinder, Wands, Tumblr, etc. Et pour terminer, une petite dernière complémentaire à l'application de rencontre des serveurs, pour peu que vous ayez réussi à conclure et que vous en soyez envisagé de passer aux choses sérieuses, si vous voyez ce que je veux dire, une application gratuite pour Android et iOS répondant au nom de Top et qui va vous aider à trouver illico ou acheter des... préservatif. Bon alors ok, vous allez me dire que vous n'avez pas besoin d'une appli pour ça, des préservatifs on en trouve dans tous les supermarchés, les pharmacies et même dans des distributeurs automatiques. Il n'empêche, l'appli Top pourra tout de même vous rendre quelques services en vous indiquant également les lieux de dépistage les plus proches de chez vous, comment agir ou réagir après avoir pris un risque et puis au travers de ces petites fiches pratiques pour devenir incollable non seulement sur le préservatif masculin, mais également son homologue féminin et quelques autres sujets à ne pas prendre à la légère. Bref, une appli qui, mine de rien, peut s'avérer utile. Je vous la recommande donc très chaudement. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve très vite pour un nouveau Phonapps. C'est en attendant sur mon Twitter, mon Facebook et surtout, bien évidemment, dans le magazine 01net. À mercredi prochain donc, et d'ici là, sortez couverts.